vraiment sans chauvinisme, je trouve que la France, et les Français s'en rendent pas assez compte, ouais. c'est le plus beau pays au monde. Ouais. C'est tout à fait clair. Ouais. Dis-moi, Bruno, quand tu vois la Méditerranée, là, tu regrettes pas d'avoir passé les vacances de ton enfance au Cap Griné, non ? Non, moi je suis un fils du Nord et fier de l'être. Et bon, c'était la mer était moins bleue, mais ça avait son charme, les grandes falaises. On voyait l'Angleterre quand il faisait beau, ce qui arrivait de temps en temps. Ouais. Et après, la Costa Brava, ça t'a pas plus plu ? C'était autre chose. J'avais 10 ans de plus, donc j'étais un petit peu moins sage. Ouais. C'était avec les cousins, cousines, c'était autre chose. Ah, tu vas m'en parler alors ? Ben, j'espère bien, oui. Hein ? Tu vas me dire, par exemple, ton premier amour de vacances, c'était quand ? C'était en 68, mais c'était pas vraiment pendant les vacances. Mmh. C'était juste avant. Juste avant les vacances. Ouais. Tu te souviens de ta première expérience sexuelle ? Ça recommence. Allez, viens. Alors, Bruno, vu qu'on est tous les deux là, maintenant, il n'y a que nous deux. Il n'y a plus que nous. Et la mer. Et la mer. Tu vas me parler de tes amours de vacances, alors. Oui. C'était comment ? J'ai pas de souvenir plus fort que pendant les non-vacances. Il m'est arrivé de faire des galipettes sur des plages, de me faire surprendre par les flics ou les gendarmes. Ouais. Mais bon, et un peu sous toutes les latitudes. Mais je suis pas programmé pour faire l'amour plus facilement en juillet août que. Ouais, tu fais pas plus l'amour en vacances que non, pendant l'année, toi. Non, plutôt moins. Ah bon ? Parce que les vacances, c'est fait pour se reposer. Ouais. Même de ça. Oui. Dis-moi, tu as dit. J'ai été puceau très tard, c'est-à-dire, ça veut dire quoi, ça ? Le vrai rapport sexuel, je sais pas, vers 22 ans. Non. Oui. Et qu'est-ce que tu faisais avant ? Je me suis rattrapé depuis. Ouais, ça, je... Oh, bah, des gentillesses, mais non, mais c'était à l'époque, faut se rappeler qu'il n'y avait pas vraiment la contraception. Moi, je me souviens, la première fille avec qui j'ai fait l'amour, c'était, j'étais en fac et je passais mon temps pendant les TP à calculer si on s'était pas gouré de dates. Donc, c'était moins évident, quoi. C'était l'époque de la méthode Gino, quoi. C'était un peu compliqué. Un peu. Alors, dis-moi, après, tu as fait beaucoup de voyages. Après, ces vacances au Cap Griné, ces vacances sur la Costa Brava, tu as fait beaucoup de voyages. Et quels sont les endroits qui t'ont le plus marqué ? Quelles sont les cartes postales que tu gardes en mémoire ? Bon, ma femme travaillait dans une compagnie aérienne, donc c'était presque un gars. Alors, elle travaillait chez UTA. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Elle travaille dans une... Elle est tombée bien bas. Ouais. Elle travaille dans une société de production de télévision. Ouh là là, qu'elle fasse attention. Et donc, c'était presque un gag parce qu'on regardait la map monde en se disant on pouvait vraiment aller partout. En plus, on avait des billets d'avion à 10%, donc c'était pas vraiment un problème. Et finalement, après avoir hésité pendant 3 semaines entre Los Angeles, Tahiti et Bora Bora, on allait dans le Lot en train. Oui. C'est-à-dire que ça me coûtait plus cher en billet de train que le billet d'avion pour aller au bout du monde. Ouais. Alors justement, tes vacances aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as épuisé toutes les joies de ce j'ai monde ? J'ai pas épuisé, mais c'est vrai que pour avoir beaucoup, beaucoup bourlingué, je regrette pas et c'est génial. Vraiment sans chauvinisme, je trouve que la France, et les Français s'en rendent pas assez compte, c'est le plus beau pays au monde. C'est tout à fait clair. Ouais. Donc, moi, j'aime bien aller en France, j'aime bien aller dans ce qu'on appelle la France profonde, le Massif central, parce que c'est vraiment authentique, il n'y a pas trop de touristes et tout ça. Et, bon, en fait, je squatte chez des copains et on bulle. Vraiment, on bulle, on est bien entre nous, on bouquine, on déconne, on picole, on va au restaurant. C'est chez des copains que tu squattes dans le Lot, là, c'est ça ? Ouais. Ça se passe comment, alors, une journée là-bas ? Il ne se passe rien, justement. C'est ça qui est formidable. On ne s'ennuie pas une minute, mais il n'y a pas de piscine, c'est vraiment une maison tout à fait. Il n'y a pas de piscine, mais il y a quand même une espèce de piscine en plastique qui barbote. Voilà, pour se tremper les fesses, parce que quelquefois il fait chaud. Ouais. Mais non, on bouquine, on est vraiment bien, chacun vit sa vie. C'est bien parce que justement, il ne se passe rien. Ça fait des années qu'on se voit et jamais on s'est engueulé. Jamais. C'est-à-dire, tu fais rien. On bulle beaucoup. Ouais. Mais en plus, comme on connaît un peu le coin parce qu'on l'a bien sillonné, on a même plus la curiosité d'aller vers les sites touristiques. En plus, il y a du monde en juillet-août. Donc, on reste chez nous, tranquille, ou alors on va voir les voisins. Enfin, c'est vraiment une vie de village. Tu crois que c'est un art de savoir rien faire comme ça ? Oui, c'est difficile en plus, je le sais, pour l'expérimenter beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup travaillé la question. Et c'est vrai que buller... Alors c'est quoi buller ? Buller, c'est justement n'avoir aucune obligation, c'est-à-dire rien sur son agenda, aucun rendez-vous, aucun coup de fil à passer. Et puis pouvoir se dire,
je me fais 4 cinémas de suite, je reste au lit tout seul ou accompagné toute la journée, je vais faire du sport, je fais mon jardin, enfin, c'est de n'avoir aucun plan de travail. Et là, t'es un spécialiste, on peut dire. Moi, j'aime bien, mais c'est vrai, alors l'oisiveté étant la mère de tous les vices, c'est bien connu, bon, quelquefois, ça... Ça dérape. Ça prête à des occupations qui sont... Alors, tu écris un bouquin, là, en ce moment, c'est sur quoi? Sur le mensonge. Ah bon? Alors je souffre beaucoup parce que avant je laissais libre cours à mon délire, donc je m'éclatais en écrivant. Là, c'est plus contraignant comme écriture, donc c'est moins jouissif, mais parce que c'est un truc construit et que je veux pas sérieux. Hein, je suis incapable de faire un bouquin sérieux. Sur moi, oui. Je crois qu'on peut dire des choses extrêmement graves en déconnant, quoi. Ouais. Donc, mais c'est un vrai boulot. Est-ce qu'il t'arrive de dire des mensonges quand tu présentes le journal? Oh bah oui, pas volontairement, non, mais c'est vrai que bon, quand on annonce la mort de quelqu'un, même si c'est quelqu'un pour qui on a de l'indifférence ou même de l'hostilité, on va pas l'annoncer avec un grand sourire. Donc il y a une part de comédie. Mmh. Forcément, on prend une tête d'enterrement quand on annonce le décès de quelqu'un. Même si c'est un mec que tu détestes. Même si c'est quelqu'un pour qui on n'a aucune estime. Il t'est arrivé d'annoncer des fausses nouvelles, toi? Sur Timișoara, sur la Roumanie, j'étais de service, donc j'ai déconné autant que les autres. Mais même dans le journal, bon, je me souviens, par exemple, sur la marée noire, qui était un petit aspect de la guerre, on a tous dit des conneries, quoi, en disant que c'était la marée noire du siècle, alors qu'il s'est avéré un an après que c'était pas grand-chose. Ouais. Et quand les journalistes t'interviewent, est-ce qu'il t'arrive de dire des mensonges? Non, c'est pas des mensonges, c'est des mensonges par omission. C'est-à-dire qu'il y a des choses... Moi, je suis le porte-parole d'une rédaction. Donc, il y a des choses que je ne peux pas dire ou je ne veux pas dire sur ma vie privée. Qu'est-ce que tu vas faire là ce soir, là, après l'émission? Je t'en pose des questions, moi. Tu vas sortir? Sortir, non. Braguer, peut-être. Ah! Tu sors pas beaucoup dans les boîtes? Non, j'ai horreur de ça. Parce que j'aime pas le bruit, j'ai problème d'oreille. Donc, c'est vite. Et puis, j'ai horreur de la fumée. Donc, je vis donc pas bien pas dans les boîtes. Pour les boîtes. Non, pas du tout. Et tu dragues où alors? Oh, ben, je sais pas. Vers le bar, peut-être. Au bar de la plage. Oui. T'as repéré déjà un peu, non? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.